Pourquoi nous? Pourquoi est-ce que c'est nous qui sommes partis à l'autre bout du monde? Tout a commencé lorsqu'on nous a proposé de participer au projet avec le Cirque Théâtre d'Elbeuf. Cela représentait une centaine d'heures de travail avec la compagnie Répète un peu pour voir, pour créer un spectacle multiculturel avec uniquement nos corps et nos voix. C'était le début de l'aventure. Il a fallu rattraper les heures de cours manquées lors des stages au cirque et se rendre disponible le mercredi après-midi pour répéter entre les stages. Ça, c'était notre part du marché. Ensuite, pour financer une partie de notre voyage, nous avons eu l'aide de nos communes et de partenaires privés. Nous avons aussi donné de notre temps pour organiser de nombreuses actions. Fabrication d'objets, ateliers de maquillage, couture, confiture, stand de henné, balade à poney, foire à tout, tombola, collecte de papier, vente de chocolat. Bref, il fallait de l'énergie et au passage, un grand merci à vous si vous avez participé. Nos familles se sont pleinement investies à nos côtés et se connaissent toutes très bien maintenant. Voilà pourquoi notre projet est bien plus qu'un voyage. C'est une histoire de rencontre et de partage, une expérience humaine unique. Vous vous demandez sans doute pourquoi la Malaisie? D'abord parce que notre professeur d'anglais y a vécu et a gardé de nombreux contacts. C'est un pays anglophone au passé colonial dans lequel se côtoient plusieurs cultures. C'était parfait pour présenter notre spectacle multiculturel et s'ouvrir à des horizons inconnus qui nous semblent si lointains. Maintenant que nous avons réussi notre pari et vécu une expérience inoubliable à l'autre bout du monde, il est temps de partager tout cela avec vous. L'option art plastique, le club audiovisuel et l'option musique du lycée André Mauroy se sont associés pour vous faire découvrir notre périple, mais aussi ce que nous en avons ramené en expérience artistique. Madame, Monsieur, notre avion va bientôt décoller. Nous vous prions de bien vouloir attacher votre ceinture. Bon voyage. Yeah.
for example, for many centuries, the Chinese considered themselves a superior culture, right? Yeah, sure. I mean in the past. In the past they closed themselves to, yeah? But it's not based on race. It's more based on culture, mm-hmm. yeah? It's not based on genetic differences, mm-hmm. yeah. 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 But I think we still have much of the tolerance or intercultural understanding of the pre-colonial times. Music as a way to express. Even for me, one of the things that I love to do is also meditating. You know, just to go into the silence, because sometimes there's too much noise in the world. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Madame Anaïs Deschamps, attachée de coopération éducative et linguistique, ambassade de France en Malaisie. Madame Hadja Zaini, l'assistante directeur de l'école Souta Alamcha. Les élèves du lycée André Mora, les profs et les amis. Bonjour, je m'appelle Amar, can we do the last dance together again? Is the dance from this performance, did you create it yourself or is it from somewhere? We work with two professionals who learn us the dances. In your last song, on your performance, what does it mean by the song, by the lyrics of the song? All of you, so good. Yeah. I mean, I could hear all of you individually. Like, yeah. I could tell who is. Really? Yeah. Wow. Like, I could tell who is. Yeah. How would you begin to come up with these movements? How would you start with like the movements that you guys have picked? Like the ideas. Saya dari Perancis. I'm Chinese and I'm wearing a cheongsam.
outfit. Censorship is a very complicated thing in Malaysia. You may know or not, but last year there was a big election in Malaysia. From basically 1957 until 2018, you had the same government in power for over 60 years. And that government had been very authoritarian and very willing to sort of control the media and control the news media.
I'm very pleased and I want to see what you do. So would you be able to start the introduction with that? And my God, they must have been Indian in the previous incarnation. And go faster, look. 1, N2, N3, N4, N5, N6, N7. Thank you.
La Malaisie est un pays qui compte un peu plus de 32 millions d'habitants. Il est composé de 13 États et de 3 territoires fédéraux. À la tête de la fédération trône un roi élu tous les 5 ans, et chaque État a à sa tête un sultan. C'est un pays multiculturel dans lequel se côtoient plusieurs ethnies, les Malais, les Chinois et les Indiens. Si nous avons parlé anglais sur place, plusieurs langues sont utilisées, le malais, l'anglais, le chinois et des dialectes comme le tamoul ou le télougou. L'article 3 de la Constitution de la Malaisie souligne que l'islam est la religion de la fédération, mais les autres religions peuvent être pratiquées en sécurité et en paix. L'islam sunnite est pratiqué par les Malais. Les Chinois sont bouddhistes à 75% et les Indiens sont pour la plupart hindous. Thank you.
une vache. On a quel étage là? 26. Oh la vache. J'ai jamais été aussi haut dans ma vie. C'est trop beau. En plus, on regardait, on a la vue sur la Gaël Tower. J'ai peur de quoi? D'aller chez les gens, je connais pas moi. Vous savez vous dire la fille? Quoi? Bah alors, y a pas de soucis. Vous êtes poli, parlez anglais. Faut voir la pile de. Voilà, faut être arabe. Vas-y maintenant, Sébastien, ferme ta main. Rasa saya, rasa saya.
Thank you.